sorcellerie. Ce pied qui est là, il n'y a plus rien dedans. Ils ont déjà mangé ça. Et je vois un homme et une femme à ses côtés. Ce sont eux qui ont fait ça. Je ne vais pas te dire que si c'est ton nom, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mais ils ont utilisé une puissance, qui est la puissance de la sorcellerie. Ça fait quoi? Wow. Tu peux te tourner, ils vont voir. Passe. Bien, profite. Tout le monde voit. Il faut vous lever, vous allez voir. Quand vient une veille, pour être actif. Amen. Toi qui ne vois pas, il faut venir voir. Parce que quand Jésus va te guérir, là, tu ne vas plus être quelqu'un qui va douter. Tu es venu avec qui? Bien. Si c'est passé. C'est quand il a eu ça. On va maintenant dans le micro. J'ai dit au service d'ordre, j'ai donné des consignes très fermes, que quand on commence ce spirituel, mettez-vous à prier en esprit parce que nous sommes combattus. Vous n'avez pas les yeux spirituels pour savoir ce qui se passe. Donc ceux que je vois et qui ne prient pas, asseyez-vous. Ne venez pas nous fatiguer. On veut travailler. Les gens sont venus pour être guéris. Oui, depuis quand il a ça? Depuis le mois de septembre 2016. C'est là qu'il a eu. Il a eu ça au travail. Il allait à l'hôpital. Ok, donne-lui le micro. À l'hôpital, ils ont fait quoi? Je veux qu'on élève la voix. Quand on prie en langue, on ne murmure pas. J'espère que au moins ça, on sait. Oui. À l'hôpital, mon crédit. Bon. Ok. C'est moi-même. Je n'ai plus arrivé là parce que il n'y a plus les moyens partis. Ok. Donc, on constate la vie pas pour nous. Traditionnellement. Ils sont en train de s'infecter. Hein? Ok. Est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir? Qui vous a invité? Voilà. Il faut acclamer le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi je veux que chacun de vous garde en mémoire ce pied qui est devant vous.
Ça, c'est la réalité que Satan a envoyée dans sa vie. Personne ne les a invités. Mais cette veillée est une veillée pour la guérison et les miracles. Et il s'est déplacé pour venir. Parce que convoqué par qui? Le Seigneur lui-même. Quand je suis arrivé, j'étais de l'autre côté et puis je les ai vus venir. Le Saint-Esprit me dit, c'est moi qui les envoie. Déclare la parole et mon esprit va travailler. Alléluia, il faut acclamer le Seigneur pour sa guérison. Ce qui est... Amen. Est-ce que vous suivez? Vous m'entendez bien? Écoutez bien. Voilà ce que le Saint-Esprit dit. Le 14 décembre de cette année 2017, le 14 décembre cette année-là, 2017 là, c'est dans combien de mois? C'est dans combien de mois? 3 mois. Ils vont couper son pied. Parce qu'en réalité, c'est pourquoi écoutez bien. En réalité, son pied a été déjà mangé en sorcellerie. Ce pied qu'elle a là, il n'y a plus rien dedans. Ils ont déjà mangé ça. Et je vois un homme et une femme à ses côtés. Ce sont eux qui ont fait ça. Je ne vais pas te dire que si c'est ton nom, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mais ils ont utilisé une puissance qui est la puissance de la sorcellerie. Le Saint-Esprit me dit, ils ont fait ça au mois de juillet. Ils ont mangé son pied en juillet. Donc, actuellement là, c'est obligé de pourrir parce qu'il n'y a plus de vie dedans. Ça va monter. Les médecins vont dire, on ne peut plus rien faire, ils vont couper. C'est pourquoi le Seigneur est descendu chez lui là-bas pour lui dire, sans qu'il sache, faut te lever ta femme bien. Parce que j'ai envoyé mon serviteur qui va faire en sorte que ce programme soit annulé au nom de Jésus. J'ai dit ce programme est annulé au nom de Jésus. J'ai dit ce programme est annulé au nom de Jésus. Amenez-moi ma bouteille. Ce programme est annulé au nom de Jésus. J'ai dit, si tu crois que cette parole est bien du Seigneur, il faut dire au nom de Jésus. Ton pied ne sera pas coupé. Apportez-moi ma bouteille d'huile d'onction. Le Saint-Esprit dit 3 mois. Les mêmes 3 mois qu'ils ont prévus pour couper son pied. Les mêmes 3 mois là, il va rétablir son pied totalement. Il dit son pied est rétabli totalement. C'est pourquoi j'ai dit, celui qui n'a pas vu, faut te lever, venir voir. Parce que quand en décembre, il va venir montrer son pied, tu ne croiras pas. C'est pourquoi à l'instant même, je réprimande tout esprit de sorcellerie, toute confrérie qui a bouffé en esprit ce pied, de le ramener maintenant. Je vous ordonne de ramener. Il est écrit qu'on la donnera au voleur. Tu restitues cet esprit. Restitue ce pied. Pied, tu te rétablis. Je commande maintenant que la plaie sèche, que les déformations se refassent. À l'instant où je parle, le processus est entamé au nom de Jésus. En cette option, je décris malédiction. De la même manière, j'ai séché le figuier. Cette plaie sèche au nom de Jésus. Cette plaie sèche au nom de Jésus.
Je dis Saint-Père, Saint-Père, au nom de Jésus. La peau va repousser. La peau va repousser. J'entends à la peau de repousser. Tout ce qui est parti blanche disparaît. Et la peau reprend sa place. Ce pied a été cloué à la croix. Pour ne plus que ce qui est des pieds brûlés. C'est pourquoi je t'ordonne, toi, pied, de te rétablir maintenant. Au nom de Jésus. Par la puissance et le feu du Saint-Esprit. Bonsoir. Bonsoir. Tu peux pas marcher de sinon. Ça fait tout mal. Ça fait beaucoup mal. Tu peux pas marcher dessus. Tu peux pas. Tu peux pas.
de Jésus. 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 Regarde, regarde. Reste là-bas, reste là. Soulève le pied qu'elle a. Soulève-le. 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 Vas-y encore. Je t'entends de ne plus bouger. Tu bouges plus. Je dis tu ne bouges plus. Lève. Tu ne peux plus bouger. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soulève maintenant ses pieds. Soulève ses pieds. Maintenant marche. Allons-y. Viens. Jésus. 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 Voilà, moi je m'en vais avec ça. J'étais ça là-bas. C'est fini. Allons-y, allons-y. Acclame le Seigneur. Si tu vois un pied comme ça, on ne peut pas marcher dessus. Mais le Saint-Esprit est avec toi. Vas-y, marche. Maintenant, on va jouer un peu au fou. Tu es fou comme moi, non? Tu es fou comme moi. Moi, je suis fou, hein? Tu es fou comme moi, non? Tu es fou, tu es fou. Courons un peu, courons un peu. Amen, la honte, c'est ça. Courons un peu. On va l'humilier ce soir. On va l'humilier ce soir. On va l'humilier ce soir. Comme pied qui veut couper, ce pied ne sera jamais coupé. Il est guéri au nom de Jésus. Je dis, il est guéri au nom de Jésus. La plaie cicatrise dans trois jours. Il n'y a plus de plaie. Tu ne peux plus avoir de plaie. Au nom de Jésus, il faut te lever, tu vas acclamer le Saint-Esprit. Hallelujah.
Alléluia. Acclame le Seigneur pour lui. Je veux les voir.